la maille en droit ou point en droit et le point de base pour le tricot. Donc une fois qu'on a monté les mailles, on va piquer l'aiguille libre dans la maille de la gauche vers la droite. Donc si on regarde par derrière, on est comme ça. Le fil qu'il y a à la pelote, on le passe par en dessous et entre les deux aiguilles. Le but va être de tirer ce fil pour obtenir la première maille sur l'aiguille de droite, vous voyez, hop. Ce qui reste sur l'aiguille de gauche, on l'amène au bout de l'aiguille, on le fait tomber. On tire le fil qu'il y a à la pelote et on a ainsi notre première maille sur l'aiguille de droite. On recommence. On repique de gauche à droite. On passe le fil par en dessous entre les deux. On tire. Et on fait tomber. On répète la manœuvre jusqu'au bout. Une fois qu'on a passé, qu'on a tricoté toutes les mailles de l'aiguille, on passe l'aiguille qui était dans la main droite dans la main gauche. On récupère l'aiguille libre dans la main droite. Et on recommence pour le deuxième rang.